Jean-François Toussaint, vous avez été champion de France de volley-ball avec l'équipe d'Asnières, vous avez fait partie de l'équipe de France, vous êtes donc été un sportif de haut niveau, entre guillemets. Vous avez parallèlement suivi des études de médecine en France, aux États-Unis. C'est un parcours au fond assez cohérent, le sport, la recherche. Aujourd'hui, vous dirigez l'IRMES, l'Institut de Recherche Médicale et d'Épidémiologie du Sport, j'y ai arrivé. Cette cohérence, elle est en même temps atypique. Ce n'est pas un parcours finalement que l'on rencontre beaucoup dans le milieu universitaire. Non, certes, on a quelques exemples qui ont suivi un petit peu cette voie. L'équipe de volley, par exemple, à laquelle j'ai eu le plaisir d'appartenir, avait pour capitaine, pour l'équipe universitaire en tout cas, Richard Gou, qui est également médecin et qui a suivi un parcours assez semblable. Puis un certain nombre d'autres qu'on retrouve dans les équipes de France de rugby, qu'on retrouve dans un certain nombre d'environnements, dont on voit que finalement, on n'a pas d'exclusivité fort heureusement, mais qu'il y a des potentialités qui s'expriment, peut-être des chances aussi qui s'ouvrent, des opportunités que l'on trouve. Il s'est avéré que les miennes se sont faites autour de thèmes que je souhaitais vivre dans un premier temps, celui de l'intensité du sport, celui du plaisir de la compétition et de l'apprentissage de la victoire et de la défaite. Et puis celui de la capacité d'expression de l'ensemble de choses qui m'étaient finalement possible de connaître. Voilà, ces moments où on a effectivement eu, là c'était avec le Racing en 82. Ça fait partie des moments très, très forts qu'on a envie de perpétuer, qu'on a envie de renouveler, soit tous les week-ends quand on est dans un championnat, soit sur des moments dans lesquels les sociétés humaines se donnent un retour tous les 4 ans pour l'Olympiade et pour les Jeux de Londres qui arrivent. Ce sera celui du grand rendez-vous planétaire de l'ensemble de ceux qui, pendant ces 4 années, ne se sont préparés que pour cela. Oui, puis ça montre aussi que le sport n'est pas simplement pour vous un loisir, c'est une véritable philosophie de l'existence. Une philosophie, je ne sais pas, en tout cas, apporte un regard extrêmement décalé, différent sur l'ensemble de nos capacités. L'ensemble de ces capacités, qu'elles soient là encore sur les possibilités à suivre des études, on pourra développer dans des thématiques pour ensuite remettre en question, y compris les connaissances que l'on a reçues dans le processus éducatif. On va par la recherche essayer de remettre, de vérifier, voire de contredire les théories du passé. Et chacune de ces étapes, petit à petit, va permettre d'aller au-delà. Le fait d'avoir eu dans ce domaine-là une expérience sportive permet de voir ce que sont finalement un certain nombre de ces grandes étapes par lesquelles on peut développer son propre projet, celui d'un projet collectif. Et là, on a énormément à apprendre justement dans tous les intégrations des capacités individuelles au cœur d'un esprit collectif. L'équipe de France de handball en est un des exemples extraordinaires en ce moment. De façon à finalement trouver des voies d'optimisation de chacun au terme de cette longue étape. Si l'on se place dans la perspective de la physiopathologie du sport, on peut se poser une question tout de même. Le sport est-il encore un jeu? Qu'est-ce qu'un jeu? Un jeu, c'est une simulation dans un espace-temps donné qui n'expose pas, du moins directement, au risque de la vie. Alors que le sport expose au risque de la vie, et de plus en plus. On a les deux aspects constamment. Celui du jeu qui est celui sur lequel on va faire son apprentissage. Et on va le faire collectivement et on va le faire avec une joie immense. C'est un petit peu celle de ces enfants sur la plage de Zanzibar. En même temps, on voit que ces données-là sont ancrées depuis probablement des millions d'années, bien avant l'espèce humaine ou chez Sapiens. On va avoir des démonstrations de l'orientation des jeunes mâles sur toute une série de nos cousins primates vers, à chaque fois, des activités dans les états les plus jeunes de la vie, autour de ces fonctions de découverte, finalement, du mouvement et de l'ensemble de ces espaces de jeu. Chez le mammifère, c'est très clair, même au-delà des primates. Et puis, il y a la fonction qui va petit à petit nous amener au maximum de nos capacités. On va en parler par la suite, mais ce sont des points sur lesquels on va transformer petit à petit l'envie, le plaisir du jeu, tout en gardant un petit peu cette notion, mais en allant au maximum
des capacités. Et cette idée de repousser les limites va venir au fur et à mesure exploiter ce développement des potentialités individuelles. Le sport de haut niveau comporte tout de même des risques réels. Pensons à la boxe, ici il y a des images, on voit un corps abattu, pensons aussi au sport automobile par exemple. Effectivement, l'idée du haut niveau est à chaque fois celle de la façon dont on peut repousser les limites. Et elle comporte des risques. Le fait de franchir les limites va petit à petit révéler un certain nombre de nos critères d'instabilité. Et finalement, la vie ne progresse que par ce front d'expansion d'une capacité ou d'une espèce, parfois au détriment des autres. C'est toute la question actuelle, justement, du développement des capacités d'une seule espèce sur la planète, Homo sapiens, par rapport à l'effondrement des autres. Mais dans cette augmentation progressive et de la façon dont on va repousser les limites, qui va être le principe même olympique, du situs, altius, fortius, toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort, c'est celui sur lequel, petit à petit, cette expansion se fera en fonction des capacités d'appropriation énergétique dont chacun bénéficiera, mais qui en même temps va se trouver justement dans ces contraintes maximales. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche potentiellement de ces limites maximales, universelles, celles qui font que nous ne ferons pas 7 mètres de hauteur, de taille, on n'est pas fait pour durer aussi longtemps que le séquoia, parfois 6000 ans pour certaines de ces espèces, on a probablement une gamme dans laquelle s'expriment les possibilités humaines. Et les sportifs de haut niveau sont là notre avant-garde. Ils nous révèlent ce que sont nos possibilités et la vitesse à laquelle elles se sont transformées au cours des 2 derniers siècles, et puis le siècle olympique, l'ère olympique depuis 1896, et nous montrent très précisément à quelle vitesse et quelles marches ont été franchies pour arriver dans ce seuil actuel. Alors, il y a donc ces risques objectifs, et parfois même assez spectaculaires. Mais il y a aussi le fait que le sport de haut niveau exprime un certain nombre d'affects qui sont souvent tus, parce que finalement assez peu valorisés. Pensons à la volonté de puissance, à la volonté de domination, pensons au narcissisme. L'image que nous avons sous les yeux, par exemple, montre cette sorte de célébration du corps uniquement, presque narcissiquement. Oui, je dirais que c'est un petit peu dans le même chemin que celui qu'on vient d'évoquer sur la progression vers les limites et les risques. Il y a aussi celui de se regarder monter. Et au fur et à mesure, ça donne une image extraordinairement puissante de renforcement. Hein, ce sont des boucles de rétro-contrôle positif qui ne cessent de dire « mais finalement, ces possibilités sont extraordinaires et comme elles m'appartiennent, ce sont les miennes, j'en suis d'autant plus finalement ému qu'elles me permettent d'atteindre un certain nombre de ces maxima. » Alors en plus derrière ça, il y a le fait que, et on s'en rend compte de façon de plus en plus claire maintenant, le fait d'appartenir à ce groupe qui est à l'avant-garde, comme je le disais, qui monte dans les valeurs les plus élevées d'une mesure qui est faite, avec tous les risques de la mal-mesure de l'homme, mais en tout cas qui montre que petit à petit, on va, en atteignant ses capacités maximales, être aussi capable de tenir, de résister plus longtemps, parce que l'ensemble des qualités qui ont fait qu'on est monté très très haut feront aussi que nous allons durer plus longtemps. Alors toute une série d'hypothèses, de théories s'affrontent pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il ne faut pas monter trop haut au risque de perdre plus vite? Est-ce que le fait d'être parmi les recordmen nous fait durer réellement plus longtemps? Oui, on a actuellement une étude sur les 120 000 athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques depuis 1896, et on voit bien que comme pour les participants dans les premiers Tours de France, eh bien, il y a 8 à 9 années d'espérance de vie en plus pour ces sportifs de très haut niveau. Donc il y a bien quelque chose qui est de l'ordre d'une capacité mise en jeu au risque de la limite, mais qui va aussi se traduire par une potentialité et une durée plus longue. Mais au risque aussi de révéler ces affects dont nous parlons, qui ne sont tout de même pas toujours très positif, quoi, la volonté de puissance par exemple. Oui, mais qui sont les moteurs, de l'activité humaine, qu'elle soit artistique, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle ou scientifique. Cette idée à la fois de la compétition pour arriver au prix Nobel, c'est une compétition avec ses règles qui ne sont pas connues mais qu'on commence à avoir. Il faut jouer aussi de ces réseaux dans ces domaines-là. L'idée qu'on puisse à un moment donné monter jusqu'à ces capacités va renforcer, et elle renforce d'autant que l'ego,
Hein, la confiance en soi est forte. Et c'est ce que l'on essaye aussi de développer chez les sportifs pour gommer une de ces interrogations qui est néanmoins importante pour remettre en question une technique d'entraînement, pour remettre en question une voie par laquelle on a franchi un certain nombre de ces passages. Et tout cela rentre dans un contexte historique, dans un contexte qui est finalement celle de l'évolution, celle de la flèche du temps, qui fait qu'un certain nombre des points de passage vont rester ancrés. Dans celui-là, celui du retour sur l'affect, celui de ces moteurs de puissance individuelle, on a encore énormément de choses à apprendre sur notre psychologie, sur la neurophysiologie qui nourrit la psychologie et sur les interactions qui vont pouvoir se faire entre ces capacités psychologiques, ces capacités physiques et finalement ces capacités sociétales. Et vous êtes en tant que médecin, en tant que cardiologue, en tant que spécialiste d'épidémiologie, en tant que directeur de l'IRMES par exemple, est-ce que vous accepteriez la thèse selon laquelle le sport de haut niveau est dangereux pour la santé? Comme je vous l'ai dit, le sport de haut niveau présente ses risques et ce sont les risques des limites. On le voit bien sur le ski, on le voit effectivement sur la boxe, on le voit sur un certain nombre de sports qui vont être mises finalement dans une situation de haut risque qui est parfaitement assumée, hein, parfaitement assumée par les sportifs qui vont le gérer. Et on voit très bien dans une étude qui peut être faite sur le contexte psychopathologique dans lequel les sports à haut risque sont ceux dans lesquels on voit la plus faible fréquence d'états anxieux, d'états dépressifs, d'idées suicidaires. Non, les gens qui sont confrontés dans les sports aéronautiques, par exemple, dans les sports motocyclistes, à la possibilité réelle d'une mort sur le circuit, dont on a encore vu des exemples récents, montrent que ce risque-là est totalement assumé. Et il est, là encore, inscrit dans la capacité, dans l'acceptation de cette démarche, en même temps qu'il nourrit finalement les sentiments extraordinaires que génère la compétition, la victoire et l'association de ces éléments. Dangereux pour la santé, c'est très, très objectif ma question, elle s'appuie sur des données observables et quantifiables. Vous avez fait du rugby par exemple, le rugby pratiqué chez les jeunes de moins de 13 ans s'accompagne d'un pourcentage d'accidents qui n'est pas du tout négligeable annuellement. Non, il n'est pas négligeable. On sait que voilà, ce sport fait partie plus que le tennis. On vous aperçoit d'ailleurs. Des sports à risque. Parce que vous avez fait aussi du rugby. J'ai eu ce plaisir-là, effectivement, en universitaire. Mais dans ce contexte-là, on apporte au fur et à mesure un certain nombre de réponses. On comprend, à la fois sur le problème des contusions cérébrales, quelle est la physiopathologie et quelles sont les mesures de prévention qu'on peut mettre en œuvre. Je vous citerai par exemple un programme extraordinairement suivi par l'ensemble de la Nouvelle-Zélande, non seulement pour les All Blacks, mais pour toutes les écoles de rugby, qui a fait qu'après une analyse épidémiologique, justement de ce risque que l'on voit là au cours des mêlées, un certain nombre de décisions ont été prises sur l'interdiction de pousser pour les enfants, sur le fait de relever les règles, en particulier pour les arbitres, de sanctions très lourdes autour des plaquages hauts sur les risques cervicaux. Et petit à petit, on a vu dans cette phase-là, on a vu dans cette phase-là réduire de 30% le risque de tétraplégie qui existe, le risque de contusion cervicale et cérébrale majeure au cours des mêlées dans le rugby. Donc on voit qu'il y a une analyse à faire, on voit que cette analyse peut être suivie d'action et que lorsque cette action est déployée sur l'ensemble de la pyramide finalement du sport, des plus jeunes, aux amateurs et jusqu'aux sportifs professionnels, on voit qu'il y a un effet qui est extrêmement important. Alors, ce risque reste présent, il évolue avec le règlement, il évolue avec l'augmentation des gabarits aussi, qui est majeure dans tous les sports mondiaux, et sur lequel, là encore, on doit tenir compte finalement des processus physiques que sont l'affrontement de deux corps lancés à pleine vitesse et à pleine puissance dans un sport comme celui-là. On a tendance tout de même à ne pas mettre cela en évidence. Souvent, on tait un peu cet aspect tout de même du sport. Et là, on n'est pas simplement dans le sport à haut niveau, puisqu'on parle du rugby chez les adolescents, chez les jeunes. Alors, on a une façon de ne pas le taire, qui est simplement d'en faire l'étude, l'analyse,
la plus honnête possible, la plus propre dans l'épidémiologie, de s'assurer des conclusions qu'on peut avoir avec toute la puissance statistique que l'on peut démontrer. C'est l'un des objets de l'IRMES pour cela, dans l'ensemble des sports. Et ensuite, une fois la publication assurée de ces résultats, puisqu'elle offre à chacun la possibilité de regarder ce que sont la réalité de ces chiffres, de trouver dans la confrontation, dans la discussion de ces résultats, les pistes de prévention. Et c'est toute cette démarche qui construit petit à petit autour du sport de haut niveau, mais aussi autour des bénéfices que l'on peut tirer d'une activité physique et sportive, parce que ces deux pôles s'affrontent constamment et ils sont indissociablement liés à la pratique physique. Et donc, quand on voit cette démarche-là sur l'ensemble, on voit qu'on peut proposer, au fur et à mesure, dans ces différentes situations, des options qui permettent de résoudre une partie de ces problèmes. Parce que certains chiffres sont des chiffres impressionnants, pour ne pas dire spectaculaires. Par exemple, dans le ski, on sait que tout sportif qui passera par l'équipe de France, je crois 30% des sportifs pardon, qui passeront par l'équipe de France, connaîtront des ruptures, par exemple, des ligaments croisés. C'est un chiffre considérable. Oui, c'est un chiffre considérable et qui est lié directement à la vitesse qui est acquise sur les pistes. On le voit très bien à la fois sur l'augmentation de cet élément très précis que vous décrivez, la rupture, en fait, finalement, un problème de ligament dans le genou qu'il faut opérer, et sur lequel on voit entre le slalom, le super géant et la descente, ce risque qui ne cesse d'augmenter simplement avec la vitesse atteinte lors de ces compétitions. Et donc beaucoup plus important dans la descente, qui ira même jusqu'au décès possible, hein, celui de Régine Cavagno, malheureusement survenu dans ces circonstances à l'entraînement, mais autour duquel, là encore, un certain nombre de questions vont se poser sur que faut-il faire pour limiter ce risque, alors que la nature même du sport va entraîner finalement l'évolution des performances dans une certaine direction. Et là, on se repose cette question-là, à la fois après les accidents de Matthias Lanzinger, qui a dû être amputé de sa jambe. On le voit aussi sur les accidents à l'arrivée de la Streif à Kitzbühel, avec trois interventions neurochirurgicales sur les quatre dernières années, avec des sportifs qui ont eu, comme Albrecht, d'énormes difficultés à revenir. Derrière. Donc se pose le problème, là vous posez le problème très clairement, à savoir d'un côté la courbe qui cherche à améliorer les performances et de l'autre la prévention. Comment faire harmoniser, accorder finalement des logiques qui sont peut-être assez contradictoires parfois ? Dans ce domaine-là, la réflexion peut porter sur l'idée que l'on se fait de la compétition. Est-ce qu'il faut aller toujours plus vite ? Ou est-ce qu'à ce risque-là, à un moment donné, on ne doit pas poser la possibilité simplement de, dans des règles acceptées, finalement pour chacun, la diminution des performances au profit de la compétition. Et dire à ce moment-là, dans un cadre qui sera moins à risque, finalement, ce qui compte, c'est d'être le premier d'arriver dans ces circonstances-là. Et donc après, c'est toute la question sur la technologie, sur l'évolution de la technologie qui décuple les capacités physiologiques et qui, au fur et à mesure, dans l'histoire du ski par exemple, nous fait passer de planches en bois très très rigides à des skis sur des fonctions de glisse, à la fois sur les fibres qui sont utilisées dans la structure du ski, dans les matériaux composites maintenant, et sur la compréhension que l'on a et les choix que l'on fait sur les pentes qui vont être prises et la protection autour de ces pentes. À chaque étape, on peut se dire à un moment donné, on peut prendre finalement une option qui permette de reculer d'un cran, mais au profit finalement de la santé des descendeurs. Oui, parce que cette dangerosité quantifiable, elle a des causes. Ces causes, ce n'est pas simplement bon, la compétition pour la compétition, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. C'est aussi des règlements peut-être, des entraînements intensifs, peut-être la précocité aussi de ces entraînements, peut-être aussi des enjeux financiers. Là, on retrouve le sport pris dans la totalité de la société. Alors sur ce plan-là, il faut comprendre que on va avoir toute une série de niveaux, de strates. Et à ces différents niveaux vont jouer à chaque fois des principes régulateurs différents. Il y a celui de la physiologie cellulaire, si j'ose dire, puis l'ensemble des capacités physiques dans un organisme, celui du sportif de haut niveau ou du sportif du dimanche, qui va l'exprimer dans son footing hebdomadaire. Et puis après, il va y avoir d'autres logiques et d'autres compétitions qui se mettent. Compétition entre les clubs,
hein, compétition entre les moyens financiers alloués à ces clubs, ou que ces clubs vont générer pour les clubs de football, qui sont en Europe en tout cas, et encore bien loin image, des équipes américaines. Mais cette idée que l'argent, à un moment donné, vienne regardons sur bien l'image, là. Les podiums, le podium est une idée sur en lequel, lingot d'or. En lingot d'or, l'idée va se faire autour d'une récompense. Récompense de ce dépassement. Récompense de ce que cette fonction même, toujours portée par l'athlétisme, la natation, les sports à record, nous fait penser nous-mêmes de notre capacité de progression, de notre capacité de croissance. C'est toute cette question qui est remise actuellement à l'ordre du jour autour des saturations, autour peut-être des épuisements de ces capacités de développement. Et vous remarquerez que l'argent ne cesse d'augmenter actuellement à mesure que les progressions sont de plus en plus faibles et que le temps entre chacune de ces performances est de plus en plus long. On l'a mesuré de façon très claire dans toutes ces recherches qu'on a pu faire à l'IRMES. On sent bien qu'il y a ce double aspect de nous arrêterions-nous, et si nous sommes en train de nous arrêter, le dernier à franchir la dernière limite sera celui qui emporterait finalement le dernier lingot. Je ne sais pas sur quel... Il y a quand même quelque chose de cynique dans cette image, je ne trouvais pas. Que la Golden League, par exemple, eh bien, trouve son expression presque naturelle dans ce podium qui pourrait être simplement dédié à la compétition du meilleur. Là, entre toute la société du profit, entre toute une logique marchande. Oui, vous pouvez regarder exactement ça en fonction des budgets. Et si vous faites sur 20 ans l'analyse sur les sports professionnels, vous verrez que globalement, c'est toujours celui qui a le plus gros budget qui est en haut. Alors pas toujours, fort heureusement, mais en moyenne, c'est bien entendu le Real de Madrid, le FC Barcelone, pour le football européen. Et puis ensuite, vous allez avoir sur les deuxièmes et troisièmes places, les deuxièmes et troisièmes budgets. Oui, il y a un lien qui est extraordinairement puissant et qui tient lieu de ce qu'est la compétition cette fois-ci, au-dessus des valeurs sportives, qui sont des compétitions économiques, dans lesquelles on retrouve alors là toute la question, effectivement, de ce que sont nos développements économiques, au sens très général maintenant du terme, et dans lequel ces principes sont strictement les mêmes, avec l'énorme difficulté de savoir comment les sociétés peuvent-elles réguler cette envie, cette appétence, greed, hein, que l'on retrouve de Wall Street à la City de Londres, en passant par la bourse de Paris et celle de Shanghai, strictement ces valeurs sont partagées par l'ensemble de l'humanité, et pourtant, il faut trouver à un moment donné les moyens du partage, de l'effort, les moyens d'une acceptation, d'une régulation. On voit bien que toute la difficulté pour les années à venir va se situer aussi sur la vitesse à laquelle on est capable de tenir cela avant l'effondrement. Parce qu'à quoi bon des matchs si on connaît à l'avance les résultats des matchs, si ceux-ci sont simplement évaluables en fonction d'intérêts économiques ? Il faut savoir que ces régulations sont là, elles font partie prenante de la compétition, mais qu'à l'intérieur de cela, il reste une variabilité. Et cette variabilité fait qu'à un moment donné, mais rarement, sur Goliath, on peut voir apparaître David. Et dans cette idée, c'est que, bien entendu, si David gagnait tout le temps, à ce moment-là, on aurait inversé la tendance. Si c'est toujours le petit qui gagne sur le plus gros, à ce moment-là, ça aurait été l'inverse dans l'allégorie qui a été celle qu'on choisit, c'est finalement la construction de ces légendes. Non, c'est en fait effectivement des questions de puissance physique, individuellement, qui vont jouer. Et on voit bien là qu'on a des relations, mais qui sont linéaires entre le développement d'un gabarit, là encore, et la vitesse. C'est entre Jesse Owens et Usain Bolt, une différence de taille d'un mètre 78 à 1,96 m. Donc on va avoir des liens très forts qui vont être là-dessus, de même façon que sur l'échelon supérieur, celle du plus puissant va avoir statistiquement, effectivement, plus de chances d'aller au bout de la compétition que le plus faible. Mais de temps en temps, le plus faible gagne. Et cette glorieuse incertitude est là justement pour générer tout l'intérêt que les spectateurs vont en avoir. Souhaitons que cette incertitude demeure, soit pieusement conservée. Elle le sera, elle le sera. Non, je me posais la question, est-ce qu'on pourrait appliquer à ce sport dont nous parlons, le sport de haut niveau, le sport de compétition, avec ses enjeux, y compris financiers, on a parlé de cynisme tout à l'heure, on pourrait parler aussi de pragmatisme tout simplement, on a presque envie d'appliquer la maxime de Machiavel, la fin justifie les moyens. Est-ce qu'on n'a pas l'impression souvent que c'est un peu cela, que les moyens au fond sont simplement là en fonction d'une fin qui elle est impérative,
gagner, gagner, toujours gagner. C'est bien la question qu'on se pose en dehors du sport. Une fois de plus, les problèmes ne sont pas spécifiques. Le sport simplement traduit toutes ces aspirations. Et il va démontrer ce que sont les intentions collectives et la direction que prend ce collectif, hein, l'humanité au sens très général. Et c'est pour ça que l'idée des records du monde nous révèle réellement quelque chose de partagé dans l'ensemble des cultures, puisqu'on voit le sport se démocratiser dans la deuxième moitié du XXe siècle et surtout s'internationaliser au profit de toutes les régions du monde. Et on voit quasiment plus aucune est oubliée. Et que ce principe demeure malgré tout. Et il demeure parce qu'en fait, il traduit dans un domaine d'affrontement réglementé, celui du sport et de la compétition sportive, quelque chose qui n'est pas réglementé partout ailleurs. Il n'y a aucune règle dans la progression de la publication scientifique. Or, les laboratoires sont en compétition pour les bourses de financement. Aucune règle, ou très peu, à l'OMC pour réellement accepter de n'exploiter qu'une partie de nos ressources au profit d'une durabilité. On voit bien l'énorme difficulté à le faire. Tous ces plans-là, finalement, traduisent notre incapacité à le faire. Et pour la partie de gestion environnementale, on vient de voir encore l'échec de Durban qui va marquer notre avancée dans cette lutte-là. Le sport, lui, gère finalement de façon assez concrète, pragmatique, ces oppositions-là. Et malgré tout, au milieu de cette acceptation du principe d'égalité, s'il existe quelque part, on est tous différents, on est tous inégaux, même si on se doit le respect, la tolérance, et c'est dans ce strict plan-là que l'égalité demeure, fort heureusement, même si elle n'est pas partagée par tout le monde, on va avoir dans la construction sportive cette idée finalement d'une régulation menée. Et peut-être dans ce sens-là, reste-t-il quelques notions importantes encore à développer dans les valeurs du sport. Mais il n'y a pas que le sport dangereux, il n'y a pas que le sport de haut niveau, il n'y a pas que la compétition, il y a aussi le sport que tout le monde fait, ce sport quotidien, ce sport loisir, comme on dit. Et là, ce sport-là est incontestablement bon pour la santé, ce qu'on appelle les activités physiques et sportives. Ça, c'est un sport qu'il faut évidemment défendre, ce que vous faites. Absolument, on a eu un certain nombre de réflexions et de propositions qui ont été au cours des dernières années suivies de nombreuses décisions et de nombreux effets dans différentes régions, dans différentes institutions et au niveau national et international. Toute cette idée vient en fait de ce que l'on montrait tout à l'heure, de cette idée qu'il y a peut-être des zones qui sont des zones optimales. Trop de sport, trop d'activités autour de la mobilité, autour des articulations, on voit une très belle cheville en course ici. La répétition de ce pas pour des dizaines, des centaines de milliers d'éléments à chaque fois qui viennent peser sur cette articulation ou sur le genou qui la soutient, finissent par effectivement créer des conditions et qui lèsent les ligaments, les muscles, ce dont on parlait tout à l'heure. Donc en faire trop à ce propre risque, que les sportifs de haut niveau gèrent complètement au profit de la capacité de monter au plus haut, la plus haute marche. Dans le sport, pour ses vertus sanitaires, tous les bénéfices qu'on peut en tirer tiennent du fait qu'on est passé de l'autre côté sur le plan du développement de notre société technique. Le développement de toute la motorisation, finalement, nous pose dans nos fauteuils pendant des heures et des heures au quotidien, et on a perdu complètement ce lien à la mobilité qui a été, par contre, une des immenses phases de toute la sélection du vivant, et pas seulement, une fois de plus, celui de l'espèce humaine. La mobilité, ça remonte aux toutes premières cellules qui, à un moment donné, une fois qu'elles ont épuisé leurs réserves dans leur environnement proche, vont se déplacer d'une façon ou d'une autre pour aller chercher un autre environnement favorable. Cette partie-là, qui nous concerne maintenant, nous amène dans des sociétés très sédentarisantes. Et on se rend compte que la sédentarité a son prix en termes de cancer, de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques. Et sur tout cet aspect-là, on voit que le sport et l'activité physique en général vont avoir des effets très positifs en diminuant les risques de cancer du sein, que ce soit sur les métastases ou sur les tumeurs primaires, en diminuant le risque de dépression, sur la santé mentale aussi, on va avoir des effets majeurs, en diminuant le risque d'infarctus, en diminuant à tous ces niveaux-là, parce que ces effets sont dits pléiotropes,
très large, très important et très en amont sur les équilibres énergétiques cellulaires. Tous ces effets bénéfiques-là sont évidemment ceux sur lesquels doivent petit à petit s'orienter les politiques de prévention que l'on a tenté de donner dans ces différentes réflexions. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que ça renvoie au rapport de 2008 que vous avez dirigé. C'est de penser ensemble le sport et la santé publique, ce qui suppose à la fois une étude de la situation réelle du pays, comme on dit, et en même temps une prospective. Car le but de ce rapport, c'était aussi de jeter les bases d'une prospective. Et c'est en l'analysant sur ce continuum, en fait, entre la sédentarité absolue, on s'arrête totalement. Et certains de nos concitoyens sont marqués par cela. Le Téléthon, dont on a vu la dernière édition le week-end dernier, nous dit que vous avez des enfants, des adultes, totalement privés de mobilité. Leur capacité de déplacement est nulle. Et pourtant, la société tente de leur apporter des réponses qui vont prolonger leur espérance de vie. Sur l'ensemble de ces points-là, très sédentaires, peu sédentaires, actifs, très actifs, sportifs, très sportifs, sportifs de haut niveau, on va avoir l'ensemble de ces capacités qui nous montrent finalement ce que sont les interactions entre la mobilité et la santé. Et c'est dans ce domaine-là qu'on en a fait toute une série de recommandations qui, comme je vous le disais, ont été reprises. La Bretagne a décidé, par exemple, de créer un plan Kino-Bretagne qui permet de développer toute une série d'actions en faveur du sport, sport à l'école, sport en entreprise, sport pour les personnes âgées, pour les seniors, dans lesquels on voit ces effets préventifs à chaque situation, à chaque tranche d'âge, finalement, apporter ces bénéfices. Et donc, toute cette dimension-là est, à mon sens, extrêmement importante à développer pour justement faire passer cette idée que la mobilité est une chose essentielle, hein, la bipédie est une des marques de Sapiens, et le fait de pouvoir remonter sur cette courbe d'optima est un des objectifs importants, me semble-t-il, de nos prochaines années. Parce que le rapport montre bien deux tendances contraires. Une tendance qui est celle de la sédentarisation, qui croît, et ça vous mettez ça sur le long terme, sur les deux derniers siècles, une sédentarisation qui ne fait que croître dans des proportions considérables. Et de l'autre, une suractivité chez les sportifs de haut niveau. Comment penser ensemble, au fond, ces deux courbes qui sont des courbes qui s'opposent? Il faut effectivement penser les paradoxes. Il faut trouver la façon dont ces équilibres se font à l'intersection de deux envies totalement différentes ou de deux circonstances. Je ne sais pas si tout cela fait partie de l'envie. Une fois de plus, ce sont des propriétés émergentes probablement auxquelles nous assistons là, qui sont celles des choix individuels et qui, dans le temps, petit à petit, s'accumulent pour donner une direction dans laquelle une espèce, une humanité, une société se dirige. La première, c'est celle dans laquelle elle a souhaité s'approprier une énergie extraordinaire et développer sa technique portée par l'énergie. Et ça s'est traduit à la fois par des capacités de réduction de la mobilité, par globalement l'automobile, et tout le développement des transports qui nous transportent, alors que nous ne sommes plus que dans des mobilités passives, et en même temps a vu, par une autre utilisation de l'énergie, dans la nature, cette fois-ci, dans les champs, et y compris pour, après la moisson, transporter le produit de cette énergie mise, les engrais mis dans la terre, augmenter notre capacité d'apport. Et c'est ce déséquilibre-là entre une énorme abondance alimentaire et une réduction de nos capacités de mobilité qui, finalement, crée les conditions des maladies métaboliques et de l'obésité que l'on constate dans le monde entier. Toute cette partie-là nécessite d'être probablement rééquilibrée, puisque nous étions pendant 200 000 ans à cet équilibre, même si c'était à un niveau inférieur de développement. Il faut probablement penser maintenant cette idée d'un rééquilibrage entre les entrées, les sorties, entre les apports et les dépenses. Derrière tout ce que vous êtes en train de dire, et puis je dirais à l'horizon même du rapport de 2008, hein, il y a plus que des considérations techniques, comptables, hein, au sens où on quantifie, on donne des chiffres. Hein. Il y a une véritable philosophie, une philosophie hédoniste. On ne peut pas ne pas penser, par exemple, à l'idéal du sage épicurien qui réalise l'autarcie, l'autarkeia, l'autonomie, le plaisir, en même temps l'autonomie, voilà, des valeurs philosophiques fortes. Hein.
Il y a deux aspects derrière cela. Il y a à la fois cette idée que la mobilité, le mouvement est en soi générateur de ces endorphines et l'effet sur la santé mentale est probablement directement lié à cette action sur notre métabolisme cérébral. Et le deuxième point, c'est qu'il y a peut-être justement dans les propriétés émergentes qui vont venir autour de cela une biologie de la philosophie. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que la construction historique du fonctionnement cérébral, de cette boîte à auto-pensée qu'est notre cerveau, dans la construction même du développement extrêmement rapide? Et là, ça se joue sur 3 millions d'années, globalement, entre dans l'ouverture du genre Homo jusqu'à Sapiens, ce développement des capacités cérébrales en termes de volume comme en termes de connexion synaptique. Toute cette idée du renforcement de la connaissance. Et du renforcement de la connaissance par le plaisir, et du renforcement de la connaissance par l'exploration du monde, et donc la mobilité, le déplacement, et la capacité pour les plus forts d'entre nous à petit à petit créer les conditions de l'expansion, d'aller chercher un petit peu au-delà, de faire le tour du monde, cette grande expansion démographique qui se termine il y a 12 000 ans avec le passage de Bering, puis finalement la colonisation de l'ensemble des Amériques par Sapiens, est une forme d'interaction entre la façon dont les capacités se sont faites à l'intérieur. Les capacités se sont faites en termes de développement sociétal, puisque ça va être aussi celle de la révolution néolithique il y a 10 000 ans, dans lesquelles se posent en Mésopotamie les premières observations que l'on a encore de l'agriculture, et finalement d'une appropriation de l'énergie beaucoup plus proche et beaucoup plus contrôlable autour de chez soi, et dans la suite de ce que ce grand mouvement va donner aussi sur la structuration des sociétés, puisque première ville, puisque premier règlement, puisque premières obligations, premier droit en même temps que premier devoir, et qu'à l'intérieur de cela, la construction, y compris des règles, y compris des questionnements, y compris de la philosophie, voire des religions, se fera dans un sens historique que l'on commence à découvrir. Donc cet idéal d'autonomie, qu'on pense aussi avec cette réflexion sur le plaisir, ça prend chez vous des formes extrêmement précises. Il y a une sentence, par exemple, chez vous, qui est une sentence presque stoïcienne. Vous dites « le quadriceps, c'est l'autonomie ». Pouvez-vous nous préciser le sens de cette sentence qu'on devrait peut-être inscrire sur les écoles ou en tout cas sur les stades ? Le quadriceps, c'est notre premier moteur. Bien entendu, on a besoin de tout, mais particulièrement de celui-là. C'est le muscle le plus puissant, c'est celui qui nous permet de tenir debout et d'avancer. Et sur ce principe-là, la démonstration est faite, en particulier chez les personnes dépendantes, sujets âgés, plus vous voyez cette force décliner, plus vite vous rentrez dans les stades de la dépendance, et dont on voit bien toutes les difficultés auxquelles on se trouve confronté actuellement, là encore avec des sociétés vieillissantes. Le fait de maintenir par un entretien ces capacités-là permet de repousser, non pas de supprimer, mais de repousser les conditions finalement de cette dépendance. Et ça, c'est un principe qui n'est pas seulement valable pour les seniors, c'est un principe que l'on va retrouver sur l'ensemble et qui rejoint celui, là encore, de nos capacités maximales et de nos durées maximales. Donc on est dans des formes de compréhension de la biologie autant que de l'utilisation de cette biologie dans un principe collectif, social, qui devient extrêmement fort dans cette idée de ce que sont, là encore, nos principes autonomes. Mais il est intéressant de remarquer tout de même, vous êtes médecin, et que la question, que l'art de vivre, parlons ici d'un art de vivre, on vient d'aborder des thèmes philosophiques, on peut se demander si aujourd'hui, la place qui était hier dévolue au directeur spirituel, au philosophe, au prêtre peut-être, ce n'est pas le médecin aujourd'hui qui l'occupe, c'est le médecin qui dit quels sont les critères de la vie bonne. Je ne dirais pas simplement les critères de la vie bonne, les impératifs de la vie bonne, comme il y avait les impératifs de la vie bonne aperçus par le philosophe hier. Cela suppose d'ailleurs un postulat, que la vie bonne, c'est la vie longue. Un postulat qui est contestable, c'est ce qu'a développé Isabelle Queval, par exemple, dans sa thèse. Avant d'arriver sur cette idée de la vie longue, juste avant, vous noterez quand même que sur le plan des transitions, philosophique, on donne actuellement aux médecins ce qu'on donne aussi aux sportifs de haut niveau. Finalement, un des éclairages dans lequel la religion serait en train d'être portée par les sportifs,
et les stades étant nos immenses temples actuels, reconnaissant par un principe narcissique collectif cette fois-ci le lieu de la croissance, en même temps qu'on donnerait aux médecins... Non, je ne crois pas du tout qu'il y ait de capacité d'organisation. On est beaucoup plus sur une question d'ailleurs critique de la question philosophique actuellement de notre position au monde et finalement de ce que sont les grandes tendances, l'explosion démographique, l'explosion urbaine, l'explosion de l'appropriation de l'environnement au profit d'une seule espèce. C'est sur ces questions-là beaucoup plus que se posent les questions du futur et donc de ce que sont les grandes options prospectives. Et donc du coup, on revient effectivement à se dire, est-ce qu'il faut donner des règles? Oui, il y a plein de recommandations qui viennent, et effectivement, ce sera plutôt dans mon esprit des idées, des conseils, des observations que l'on donne et qu'on distribue largement. L'idée de la publication est là pour rendre publiques les choses auxquelles on a l'impression de se trouver confronté actuellement parce qu'on les a vérifiées, pas seulement une hypothèse, une utopie ou une lubie qui porte beaucoup d'autres projets totalement prométhéens actuellement, la biologie de synthèse, la thérapie génique et toutes les difficultés qu'on voit autour. Mais derrière cela, il y a aussi cette idée de est-ce qu'il faut durer longtemps, est-ce que le temps que l'on a entre le zéro et le zéro, finalement, d'un retour au sol, à la fin de ce court parcours, doit être dirigé dans un sens ou un autre. Je n'ai pas de réponse à ça, on n'en a aucune, si ce n'est qu'en observant l'ensemble de nos concitoyens, on voit bien que c'est toute la fonction de croissance qu'il a extraordinairement portée, parce que c'est celle dans laquelle on fait tous nos rêves, c'est celle dans laquelle on a nos instants les plus violents en termes d'émotion, hein, j'entends pas en termes de la violence négative, mais celle de l'intensité de la sensation, et que c'est peut-être justement un des moteurs actuels encore du développement. Et en même temps, si on arrive au plafond, si on arrive aux limites, on se pose la question de ce que sont les ressources encore possibles pour trouver ces nouvelles capacités de maintien de notre intensité. J'ai envie quand même d'insister sur la question que je vous ai posée. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de vous, il s'agit d'un discours médical en général qui ne se contente pas simplement de guérir, de prévenir. Mais il y a des impératifs catégoriques. Si vous voulez avoir une vie bonne, vous devez avoir une vie saine, et cette vie saine, elle correspond à un certain nombre de critères. Et ça, c'est un discours que l'on entend un peu partout maintenant. Et là, le médecin a très clairement pris la place du philosophe. L'art de vivre, c'est un art de vivre encadré par un savoir qui donne un certain nombre de critères objectifs auxquels on doit se conformer si on veut mériter une belle vie, c'est-à-dire aussi une vie longue. Et là, j'ai envie de vous faire une remarque. C'est Épicure qui dit ça, les dieux sont immortels, donc ils sont heureux plus longtemps. Mais il dit, la durée de bonheur n'ajoute rien au bonheur. Donc le présupposé de la vie longue et la vie bonne, ça suppose que la durée de la vie ajoute quelque chose au bonheur. Un petit bonheur, c'est tout le bonheur. Hein? C'est l'histoire du soldat de Stravinsky, c'est la même idée. Tu vois que vous en avez eu un, à un moment donné, dans une circonstance, c'est la première. C'est le premier moment où vous rencontrez cette situation inattendue qui va vous marquer, définitivement. Le deuxième événement n'est jamais qu'une répétition du premier et diminue l'intensité de la réaction. Alors là, on est dans de la biologie pure. Mais c'est la biologie qui va construire l'histoire, qui va construire l'histoire de l'humanité. Maintenant, vous me dites qu'il y a un discours imposé, médical, qui voudrait que... Appelons ça le paradigme médico-sportif. Je n'ai aucune certitude dans ce domaine, aucune. Je ne sais pas si, finalement, et c'est pour ça que je reviens à l'idée que ce sont simplement des observations, des conseils que l'on peut donner, certainement pas des recommandations et certainement pas des décisions imposées sur lesquelles on pourra changer quoi que ce soit. Voilà. Il y a un véritable équilibre. Finalement, c'est d'ouvrir les yeux sur ce que l'on comprend des réalités du monde. Et on le sait très bien, ces réalités ne seront jamais partagées par tous. Parce que chacun a son interprétation du monde, chacun a sa grille de lecture, chacun a son envie de ne pas voir ce que sont ces réalités. Peut-être ne faut-il pas les voir, finalement, pour au quotidien se dire « j'ai encore un projet pour aujourd'hui, j'ai encore une capacité de
croissance. Finalement, je me lève ce matin pour accomplir quelque chose aujourd'hui. Soyez en forme. Je ne sais pas quoi. Soyez en forme, nous montre cette image. C'est pas ça que je vois derrière cette image. Que c'est pas soyez en forme. Que voulez-vous ? C'est une jeune femme qui se trouve peut-être dans un instant dans lequel elle se donne à elle-même cet objectif-là. Et en tout cas, s'il y a 72 pancartes, faites-le autour d'elle, on est sûr de l'échec. Là, on est sûr de l'échec. La question plutôt, c'est de se dire, est-ce que cette attitude-là, on peut l'avoir dans un environnement plus régulier? Est-ce qu'on peut être encore capable de se donner des conditions de mobilité, de prendre son vélo tous les matins pour aller bosser, même si c'est sur 8 km. 8 km, c'est pas un temps considérable. Et c'est peut-être de ces petits éléments de décision-là que vont plutôt se faire les rééquilibrages dont on a parlé. Si c'est les recommandations imposées, si c'est vous faites 30 minutes par jour et pas 29, alors on va se tromper. On se rend compte déjà qu'à 15, il y a un effet. Donc il y a une biologie de l'effort, là encore, et de l'impact sanitaire, puisque c'est des années de vie en plus. Et les années de vie en plus, c'est aussi de la qualité de vie en plus. Ça, ce sont des considérants, si vous voulez, qu'on voit bien petit à petit se mettre en place. Maintenant, dans la recommandation, dans l'utilisation sociale de toutes ces idées, on voit tous les conflits qui viennent, toutes les oppositions, tous les refus. Et le déni de la réalité, le déni de la faim, le déni de la mort est un des moteurs, là encore, extraordinairement puissant pour se dire « aujourd'hui, c'est impossible ». Ce n'est pas aujourd'hui que c'est… Ce n'est pas ce moment-là qui interviendra. Non, je sais que je suis immortel au moins pour 24 heures. Voilà. Et donc, je fais des projets, et puis j'en fais pour demain, puis j'en fais pour après-demain, puis je fais des enfants en me disant que ce seront eux qui porteront la suite, et je leur transmettrai cela. Et cette idée, petit à petit, est celle qui construit l'ensemble d'un cycle dans lequel on a conscience de cette idée du retour, mais elle ne doit pas, à un moment donné, venir bloquer tout ce que le quotidien nous permet de construire. Et c'est toute l'idée de à quel moment j'équilibre l'idée philosophique d'une possibilité, d'une place, d'une situation universelle, un rapport au monde, avec celle de, voilà, j'ai quand même des capacités d'agir sur mon environnement local. On a parlé, il y a déjà quelques mois, de limites physiologiques, physiques, qui seraient atteintes à une date qu'on a mis dans l'avenir, 2030, je crois. Que pensez-vous de cela, de cette limite objective ? Indépassable, un peu comme la vitesse de la lumière. C'est un petit peu l'idée dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez des gens qui mesurent 5,50 m dans l'espèce humaine? On n'a aucune trace historique, et en tout cas aucune personne, puisque là on peut faire un bilan. Et c'est assez rare, le moment que nous vivons actuellement, de pouvoir faire le bilan de toutes ces capacités, autant T, quasiment sur l'ensemble de l'humanité. On a toutes les données concernant l'espérance de vie de tous les pays du monde. Avec quelques incertitudes, évidemment. Sur le recueil des données, on n'est pas très certain. Mais on a mesuré, y compris cette incertitude. C'est les plus ou moins. Plus ou moins 5 ans, plus ou moins 3 cm. On a les tailles, on a les évolutions de ces tailles, de ces poids, de paramètres biométriques très simples. Sur des périodes extrêmement longues, certaines séries remontent jusqu'au XVIIe siècle. On a sur toutes ces données des visions qui montrent que ces évolutions-là, peut-être, suivent un certain nombre de règles, règles qui, par ailleurs, sont les fondements même de la recherche lorsque l'on étudie sur toutes les autres espèces animales et végétales, les relations, par exemple, de cette croissance végétale avec la température. On sait très bien qu'il y a une température optimale pour le blé tendre, pour le maïs, que lorsque ces températures sont dépassées, dans les périodes de sécheresse ou de canicule, on va avoir des impacts directs sur ces possibilités de croissance. On a complètement analysé, compris tout cela pour l'ensemble du règne animal et végétal, et on se dit, ça ne nous concerne pas. Peut-être ça nous concerne aussi. Et c'est petit à petit ces éléments-là qu'on est en train de découvrir, on retire la couverture et on est en train de se rendre compte, peut-être que voilà, ces fonctions de croissance, qui sont des fonctions exponentielles, parce que le monde est basé sur des principes exponentiels, que ce soit la physique, la chimie, la biologie, les interactions. Toutes ces lois sont simples une à une. La complexité du monde vient de leurs interrelations et de la multiplicité de ces éléments-là dans chacun des individus, dans chacun des éléments, ou bien dans la succession des événements. Mais quand on retire petit à petit cette disparité, cette diversité, et qu'on regarde les éléments un par un dans notre idée réductionniste, on se rend compte que les lois sont simples. Les lois sont très simples.
et en plus elles sont similaires, auto-similaires, qui est le terme qui veut que d'un pas, celui de la cellule, au pas suivant, un milliard, on a 10 puissance 14, c'est un peu plus qu'un milliard, hein, 10 puissance 14 cellules dans notre organisme, mais ensuite passer de l'organisme à l'espèce, c'est-à-dire pour nous 7 milliards actuellement, un autre cran de quasiment 9 à 10 échelons, ordre de grandeur, on voit que les principes restent les mêmes. Et ça, ces lois qu'on appelle loi de puissance ou loi scalante, sont des lois fondamentales dans tout l'univers. Est-ce que ces lois-là ne sont pas celles que nous sommes en train de découvrir et qui donc s'appliquent à toutes nos utopies, à toutes nos envies de la même façon? Voilà, c'est peut-être sur cette idée que finalement cette fonction se mêle et sur laquelle voilà, les 2,45 m de Javier Sotomayor qu'on voit ici nous font dire en tout cas qu'un individu qui sauterait 5 mètres sur le simple développement de ses capacités physiques du quadriceps ne fait pas partie actuellement des possibilités humaines. Alors entre 5 mètres et 2,45 m, il y a quelque part, potentiellement une limite qui n'est pas seulement théorique. Mais bon, ça ce sont des limites physiques, physiologiques, mais il y a le corps augmenté, le corps appareillé, il y a l'innovation technologique qui intervient. Oscar Pistorius, on aperçoit ses prothèses. À la fois, ça pose évidemment un problème, comment organiser des compétitions, peut-il participer à des compétitions de gens valides? Ça pose un problème aussi dans le développement de cette technologie éventuellement invasive concernant notre identité, notre intégrité. Ça pose des problèmes philosophiques, fondamentaux, moraux, le respect de la personne humaine. Comment envisagez-vous ces choses? Le cas de Pistorius est extrêmement intéressant. Effectivement, sur cet aspect-là, il doit nous faire comprendre l'impact de la technologie sur le développement physiologique. Et on voit bien que lui est le seul à pouvoir courir la deuxième moitié de son 400 mètres plus rapidement que la première, parce que c'est le temps de mise en action, si j'ose dire, de la restitution énergétique par ses lames. Et donc, c'est le seul, lorsqu'il court avec les valides, qui peut avoir finalement ce deuxième temps beaucoup plus rapide. On voit bien que ce sont deux physiologies ou adaptations physio-techno différentes par rapport à celles des coureurs de 400 mètres qui ont eux aussi de la technologie. Ils ont de la technologie dans les semelles des chaussures, ils ont de la technologie dans le tartan de la piste, qui n'est plus la cendrée que nous connaissions au début du siècle. Ces aspects-là ont fait évoluer une partie des performances en athlétisme. Maintenant, ça repose la question essentiellement, non pas morale, mais du sens dans lequel l'humanité souhaite placer chacun des siens. Et donc, Pistorius est-il indigne de courir face aux autres ? Pistorius, on lui doit le respect extraordinaire du mouvement qu'il a enclenché, qui est celui de son combat, alors qu'avec l'amputation qu'il a subie tout jeune, finalement, lui permet, par cette énergie extraordinaire qu'il dépense, de s'inscrire petit à petit dans le rugby qu'il a pratiqué, puis dans l'athlétisme, et de l'athlétisme de dire et de faire reconnaître internationalement ça, son humanité, et au milieu de nous, voilà, il a une propension à pouvoir courir. Maintenant, ça repose aussi la question de ce que seraient ces apports techniques si le choix de chacun des participants venait à se dire « je préfère me faire amputer au profit de l'âme telle que celle de Pistorius ». Je ne crois pas, fort heureusement, je ne crois pas que nous verrons cela dans les prochaines années compte tenu des effets secondaires et compte tenu des difficultés au quotidien que présente Oscar Pistorius dans sa mobilité, son autonomie. On en revient à ce qu'étaient les... C'est un combat qu'il a mené parce qu'il a dû le subir, ces inconvénients majeurs de la perte de ses deux pieds. Maintenant, sur le développement, moi je trouve extrêmement important qu'on puisse sortir de notre idée de catégorisation. Il faut des hommes et des femmes. Voilà, on a un million d'individus parmi les 7 milliards qui sont juste entre les deux, biologiquement, avec des capacités, avec une expression phénotypique qui est intermédiaire. Oscar Pistorius, dans un autre registre, pose la question des catégories. Est-ce qu'il faut à un moment donné transcender toute cette idée dans laquelle on veut d'avoir dans un couloir que ceux qui sont finalement à répondre correctement au modèle dans lequel, là encore, une société se donne l'envie de mesurer les siens, alors entre 8 et 9 ans, entre 12 et 13 ans, entre... Voilà, en reproduisant ces catégories, elles montrent bien qu'il y a des fonctions de croissance. Est-ce que la technologie répond à ça? Vous avez un autre exemple qui a été
excessivement intéressant, qui est celui de la combinaison de natation, qui démarre en 2000 avec Yann Thorpe aux Jeux de Sydney, qui va voir en 2008 la deuxième génération avec les combinaisons de polyuréthane, 50%, et puis la troisième génération en 2009, avec 100% de polyuréthane, et des performances qui vont exploser, qui fera que l'ensemble de la Fédération internationale de natation, à la sortie du Water Cube, la piscine de Pékin, dira en 2008, voilà, nous sommes le sport olympique. Nous sommes devant l'athlétisme, très loin, avec 27 records du monde, en train de, jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette augmentation-là, cette petite élévation de 3%, hein, très mesurable sur l'ensemble des vitesses que l'on peut faire, est uniquement et directement liée à, finalement, la diminution des turbulences par un processus hémodynamique, hydrodynamique, optimisé par la combinaison. Et cette technologie-là explique 100% des records du monde à Pékin. 100%. À chaque fois, on retrouve la combinaison. Et donc, on va avoir sur cette idée d'une technologie qui renforce nos capacités physiologiques et qui va se trouver confrontée à une limite, qui est une limite économique. Et en 2009, l'ensemble des fédérations mondiales national réuni à Rome va dire voilà, on ne peut pas mettre $400 par course. Compte tenu de la fragilité de ces combinaisons, il faut quasiment en mettre une neuve toutes les une ou deux courses. À $400, les Américains peuvent se le permettre, les Européens de l'Ouest peuvent se le permettre, mais l'ensemble de l'humanité, et donc finalement de la compétition dans un bassin, pour savoir qui se déplace le plus vite dans l'eau, est totalement perturbé par ces régulations économiques dont nous parlions tout à l'heure. Et le choix sera de dire on arrête. On arrête ce développement technique, on recule dans la vitesse, on recule dans la performance, mais à ce moment-là, on remet tout le monde à peu près à égalité, et pendant ce temps-là, les performances vont revenir exactement au niveau précédent. Mais je vous trouve assez optimiste lorsque vous dites par exemple que, lorsqu'on voit Oscar Pistorius et les résultats qu'il obtient, il pourrait y avoir cette tentation, au fond, c'est de se faire opérer, d'avoir une amputation provoquée pour obtenir des résultats. Mais vous dites, étant donné les effets secondaires, ce sont des choses qui ne se produiront pas. Mais le dopage, tous les cyclistes savent que le dopage est dangereux, ça ne les empêche pas de se doper. Y a-t-il pas eu dans le football un footballeur qui s'est fait, je crois, opérer de façon anticipée des ligaments croisés? Est-ce que jadis, il n'y avait pas les Amazones qui se faisaient retirer un sein? Est-ce que vous êtes suffisamment confiant dans la sagesse de l'humanité pour imaginer qu'il n'y aura pas une sorte de logique ici, qui peut être une logique dans laquelle l'humain risque de se perdre, en tout cas l'intégrité humaine risque de se perdre? Non, la sagesse de l'humanité, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. Ce n'est pas tout à fait sur ce plan-là que je suis. Dans les constats que je fais au fur et à mesure, il ne me semble pas que ce soit la direction que nous prenions. En tout cas, sur la partie des choix, il y a bien effectivement un certain nombre de comportements qui se mesurent, en particulier par exemple sur les interventions préventives. La cataracte en est une qui est censée rendre aux personnes atteintes, en général aux alentours de 70-80 ans, une grande part de leur vision. La déformation avant celle du cristallin sur la cornée peut être à l'objet d'une difficulté de perception de l'environnement. Et dans le golf, cette observation des déclinaisons, des modes de terre sur le green est essentielle à savoir quelle trajectoire on va donner à sa balle. Certains golfeurs se sont fait opérer préventivement au moment où commence à diminuer ses capacités de vision jusqu'à ce que l'un d'entre eux perde un œil. Et là, on rentre dans une autre statistique, qui est celle des effets secondaires. Aucune chirurgie préventive ne peut éliminer le risque. Et donc, il va falloir peser le risque de se faire opérer dans cette qui paraissait être totalement anodin, et puis qui, au premier événement, dit « Ah, voilà, le risque commence maintenant, et il sera pour toutes les interventions à venir. » Alors, est-ce qu'on a envie de perdre un œil pour être encore capable pendant 2-3 ans de gagner? Oui, on va voir cela. On va voir cela au niveau des stéroïdes dans le football américain comme dans le baseball. On a encore à nouveau eu un exemple très, très récent qui était pourtant l'icône du renouvellement du baseball. On a cette idée sur le PO, et en particulier celle des années 90, qui va voir un nombre de morts jeunes chez les jeunes néo-pros du circuit en Europe du Nord. On va avoir toute une série d'actions qui va montrer que chacune des interventions techniques ou biotechnologiques, puisque le PO était initialement
cloné, le gène de l'EPO cloné, dans une vision du développement de cette molécule pour les insuffisants rénaux. Donc une vision dans laquelle le rein dysfonctionnel produit une anémie et on va donner de l'EPO pour augmenter le transport d'oxygène et limiter finalement les effets secondaires de l'insuffisance rénale. Toute cette dérive qui va faire que le sport immédiatement, ou en tout cas ceux qui souhaitent utiliser des moyens détournés, non acceptés par les autres dans le sport, va déboucher sur les performances cyclistes, sur les performances dans le demi-fond et dans le fond en athlétisme, qu'on va voir également dans l'aviron mondial, fait qu'on va avoir ce risque qui sera signé par cette augmentation des mortalités, dont on voit l'impact sur l'augmentation de la mortalité prématurée à ce moment-là. Oui, ce rapport-là, il va venir, on n'en a pas conscience au début, c'est pour ça que c'est fait, au premier risque, au premier événement, tout d'un coup, on rebascule dans cette idée. Donc la question de se faire augmenter un organisme, hein, et c'est aussi celui que l'on va avoir dans toute une série de mesures ou d'actions que la société prend autour du Viagra pour ses capacités sexuelles, autour des prothèses mammaires dont on voit les conséquences actuellement, là encore, pour, dans cet aspect autant narcissique que du développement des interrelations, à chaque fois, on a cette absence de regard sur la conséquence de long terme et cette incapacité peut-être de la prédire. Certains vont vous dire, attention, vous êtes sur un mauvais chemin, et malgré tout, ça se fera. Donc la question de l'apport de ces technologies dans la décision, qu'elles soient sportives ou là encore j'élargis en dehors du domaine du sport, fera que la plupart du temps, quand la technologie sera présente, quelqu'un, quelque part sur la planète, l'utilisera. J'en veux pour preuve, dans la reproduction, celle qui a vu la naissance d'un jeune enfant pour une mère de 72 ans. On est typiquement dans l'exploitation d'une technologie, modification hormonale, fécondation assistée, qui déborde totalement et dérive totalement par rapport à ce que l'on en conçoit, par rapport à ce qu'on conçoit de ces optimums, de ces équilibres auxquels nous serions. Il y a très peu d'équilibres, tous ces équilibres sont instables, c'est cela qui nous font avancer, et on va voir toutes sortes de tentatives pour essayer ou pour faire croire qu'on est encore capable de les augmenter. Alors là, on retrouve la longévité, on retrouve le paradigme dont nous parlions tout à l'heure. Lorsqu'on se place du point de vue des records, par exemple, il est intéressant de constater que les records sont attendus. On sait qu'il y aura des progressions, mais une fois que le record est là, le record, au fond, d'une certaine manière, se banalise. Comment réagissez-vous à cela? Là, il y a ce sont les Jeux Olympiques de 1936. D'ailleurs, il n'y a pas de chronométrage. Là, hein. Il y a simplement la ficelle, comme on l'appelle, la corde. Comment réagissez-vous à ces records attendus? Et une fois que ces records sont atteints, au fond, C'est toute la problématique du CTU, c'est toute celle dans laquelle on va croire, à la fin du 19e siècle, à cet immense espoir d'une croissance infinie. Et toute cette idée qui sera portée ensuite par Didon, que reprendra Coubertin pour mettre la devise, non pas sur les premiers jeux, mais sur les quatrièmes, dans lequel il va avoir finalement la transfiguration de cette espérance. Et c'est cette espérance-là qu'il y a derrière les records, qu'on est toujours capable de monter. Le problème, c'est que dans le même temps qu'on tient cette espérance, on va la mesurer. Et toute l'erreur viendra de là. C'est qu'en la mesurant... Là, on la mesure, on commence à la Oméga, mesurer. Voilà, dans les années 60, et en 74, ce chronométrage officiel va venir, et on voit bien les réalignements de toutes les courbes de progression. Une fois qu'on la mesure, on a une mesure objective de ce qu'est cette fonction de croissance. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'elle respecte les lois dont on a parlé tout à l'heure et qui sont des lois limitantes. Et ces lois de saturation aboutissent, in fine, en regardant les records du saut en hauteur qui ont régressé depuis Sotomayor, qui d'ailleurs avait été contrôlé positif à la nandrolone et à la cocaïne, donc des records très probablement très augmentés dans les portées par ces molécules dans les années 80 et le début des années 90, avant la mise en route des agences mondiales antidopage et du code mondial antidopage, on voit bien que ces lois petit à petit montrent que cette saturation est en place depuis 20 ans, voilà, depuis Sergueï Bubka, on n'a pas pu relever le compteur et la perche féminine est arrivée en 10 ans au même niveau, c'est-à-dire hop, elle a bloqué alors qu'elle s'est constituée bien après la perche masculine, elle a bénéficié au début des progrès de la connaissance de l'entraînement des hommes, mais on est au plafond depuis Sinbaïeva. Et on voit bien que sur chacune de ces épreuves-là, on semble avoir atteint des plafonds très clairement
délimiter de nos potentialités, que ce soit sur les lancers, que ce soit sur les courses, que ce soit sur les sauts, que ce soit même sur les épreuves combinées. Alors là, on remarque qu'on est à 9 secondes 58, hein. À mesure que s'affine d'une certaine manière la quantification du record, on approche d'une certaine façon de sa limite. C'est toute la démonstration qu'en fait Usain Bolt et qu'il annonce lui-même. Et il le dit, il faut écouter les mots autant qu'observer les faits héroïques de la course et du record. Il dit, voilà, moi j'ai encore un an ou deux ans, et je sais très bien que si je ne descends pas en dessous des 9,50, j'espère éventuellement aller à 9,48. Potentiellement, il a cette qualité-là dans les jambes et dans l'organisme qui porte ce record, cette potentialité. Il faut qu'il retrouve toutes les conditions qui l'ont mené en 2008 et en 2009, au précédent. Hein. Et donc, toutes, ça veut dire toutes. L'ensemble de ce qu'il a mis, de ce qui l'a conduit, de ce qui l'a préparé pour aller à ses records. Et ensuite, il dit, voilà, je sais que j'aurai passé mon maximum et que ces courbes-là de retour, de décroissance, vont s'appliquer à Usain Bolt comme aux autres, comme à Roger Federer en ce moment en tennis, sur lequel on voit petit à petit les effets du temps qui sont simplement hein, une exponentielle décroissante sur lequel on va avoir finalement, diminution des capacités progressives et qui fait que de temps en temps, ben Bolt est là et il ne sera plus là. Alors si en plus il y a un faux départ, évidemment, ça permet à d'autres de venir. Mais cette question de j'attends le record, c'est simplement je m'inscris dans cette idée qu'il y a peut-être justement des fonctions de croissance et qu'elles seraient à un moment donné portées par cette asymptote et tendues vers l'asymptote qui nous apparaît comme de plus en plus évidente maintenant. Une belle métaphore parce que Jeanne Calment, qui a atteint un âge canonique qu'on pouvait imaginer dépassable, au fond, on s'aperçoit maintenant que les doyens de l'humanité, au contraire, sont légèrement plus jeunes. On a le même phénomène. Oui, alors dans ce domaine-là, on a les mêmes questions, hein, puisqu'effectivement, on est passé de 122 à 118, puis 117, 116, on est à 115 maintenant pour la doyenne de l'humanité. On voit bien que ces fonctions-là, qui sont des fonctions de record, hein, des possibilités maximales, on les a célébrées comme telles, d'ailleurs. Et on l'a célébrée comme telle. Et puis, heureusement, elle était française. Alors forcément, cocorico, on a même relancé la Marseillaise à cette occasion, puisqu'elle était quand même d'Arles. C'est dommage pour une... Et on a retrouvé derrière cette idée l'observation de l'ensemble des records et aussi des moyennes d'espérance de vie dans les pays développés, donc technologie et nutrition, et par rapport aux pays en développement ou aux pays non développés, voire aux pays qui ont régressé, en particulier en Afrique, avec l'importance des épidémies de sida, mais aussi de la malnutrition. Hein. Et tout s'ajoute pour voir que là, on est sur des phases dans lesquelles la régression a déjà commencé. Elle a même commencé également aux États-Unis, puisque pour la première fois en 2009, l'espérance de vie américaine a reculé d'un mois. Et elle a reculé parce que ce sont les hommes et les femmes euro-américains, c'est-à-dire les blancs, globalement, qui ont reculé de 3 mois, alors que les afro-américains, les noirs, eux, continuent de progresser. Les deux étaient à distance de 5 années d'écart, et les blancs ont touché le plafond le premier et commencent à régresser, en partie à cause des épidémies d'obésité. Et puis vous avez une publication là aussi toute récente qui montre que les populations les plus pauvres en Allemagne, en Europe, ont déjà entre 2000 et 2010 commencé le même type de régression puisqu'elles sont passées de 77 à 75 ans d'espérance de vie en une décennie. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se produire sous nos yeux et qui montrent que nous ne sommes plus sur les utopies qui nous portaient dans la plupart des publications jusqu'à 150, 160 ans, enfin un rêve absolu qui n'a jamais été atteint par l'humanité et qui probablement ne le sera pas. Et un économiste des années 70, 80, que vous citez parfois, Jean Forastier, il dit la chose suivante, que ce ne sont pas les mêmes valeurs qui font progresser l'humanité et qui la font durer. Comment interprétez-vous cette distinction entre le progresser et le durer? Oui, Jean Forastier était un commissaire au plan, et c'est lui qui a forgé l'expression des 30 glorieuses. Il est au cœur, suite de la Seconde Guerre mondiale, au cœur de la reconstruction européenne. Et de cette immense vague à la fois d'espoir, après la destruction des années 40, vague d'espoir et vague portée par l'organisation finalement du circuit de l'énergie, puisque l'histoire de la communauté européenne passe d'abord par
le partage et l'exploitation de l'énergie au profit des populations. Et l'ensemble de cette construction-là lui fait bien comprendre très tôt que sur cette capacité de développement, on va malgré tout tirer sur d'autres équilibres. Il a déjà très clairement cette idée qu'on va avoir des bouffées qui vont nous permettre de flamber. Alors cette bouffée peut durer 2 siècles, hein, et elle peut durer le temps d'une course, comme celle de Ben Johnson ici à Séoul en 88. Voilà, Ben Johnson tire sur cet espace. Il va avoir une victoire qui lui fait franchir la ligne 1 mètre avant Carl Lewis, donc 10 centièmes de seconde. Il bat le record du monde à ce moment-là, mais il a la malchance de ne pas être américain. Et Carl Lewis, qui est dopé, en 88, on le saura 15 ans après, et il le reconnaîtra lui-même, en disant « mais tout le monde faisait comme cela ». Dans cette performance-là, Carl Lewis sera malgré tout désigné comme champion olympique. Au même titre d'ailleurs que Flo Jo, qui elle, Florence Griffith Joyner, sera championne olympique sur le 100 mètres féminin, et mourra, elle, à 38 ans, d'une mort brutale, mort subite, 10 ans après ce record extraordinaire. Flo Jo a subi la même transformation physique que Ben Johnson dans les 6 mois qui précèdent les Jeux Olympiques de Séoul. Et elle battra un record lunaire qui est inaccessible actuellement pour même les meilleurs mondiales sur le 100 mètres. Donc on voit que cette utilisation d'une biotechnologie, hein, le stanozolol pour Ben Johnson et tous les produits qui étaient dans le sport à ce moment-là, va créer cette bouffée vers laquelle on va tirer à un moment donné l'espoir. Et tout le monde se souvient de cette finale extraordinaire parce que ces moments-là sont très forts et marquent intensément notre monde, nos événements. On se souvient à ce moment-là de ce que l'on faisait pour ces grands événements, hein, que ce soit celui-là ou à l'inverse, le 11 septembre. À chaque fois, ces moments marquent terriblement. Et donc, dans l'intensité de cette compréhension des capacités de développement pour l'un et d'effondrement pour l'autre, on va avoir constamment cette idée de quels sont les équilibres qui permettent de durer. C'est ça que propose Jean Fourastier dans toutes ses réflexions et qui seront celles qui vont constamment, et on le voit bien dans les risques économiques et les situations économiques dans lesquelles se trouvent l'ensemble des pays au monde, parce qu'aucun n'est épargné, l'idée de durée, hein, est très clairement autour de quoi avons-nous bénéficié jusque-là. Croyez-vous que les sportifs font progresser l'humanité? C'était le titre d'une exposition en 2000 à la Cité des sciences de la Villette. Je crois qu'ils sont l'avant-garde. Ils sont là pour nous montrer le sens que prend l'humanité. Est-ce qu'ils la font progresser? Je ne sais pas. En tout cas, ils sont porteurs de ces marques, d'une forme de progression. Hein, ce sont eux qui, sur le plan sportif, comme sur le plan des capacités maximales à un moment donné, montrent dans quel sens tout le mouvement s'est fait jusque-là. On va avoir la même réflexion autour des artistes qui vont, d'une certaine façon, développer par leur œuvre des capacités nouvelles. Hein, et toute la création d'un style nouveau vient à un moment donné révolutionner les idées précédentes, au même titre que les théories scientifiques dont on parlait tout à l'heure, vont à un moment donné remettre en perspective de façon totalement différente la vision que l'on avait du monde. Et ils seront porteurs, les uns et les autres, de cette idée que les choses peuvent, à un moment donné, changer. C'est ce qu'exprime Usain Bolt dans cette danse après le record. Au-delà de son geste très connu de l'archer, il y a cette idée que, voilà, il est follement heureux. Il est follement heureux. Il est arrivé à son objectif. Il a exploité son potentiel. Il s'épanouit derrière ses capacités dont il se savait porteur. Et nous verrons après si elles sont portées par d'autres choses que la simple physiologie humaine, mais en tout cas derrière cela, c'est l'idée que ce moment-là, cette intensité-là est révélatrice d'une espèce de moment extraordinaire, d'une harmonie qui vient poser son dernier point, qui n'est pas forcément un point d'or, puisque tout continuera ensuite et que tout se révélera ensuite, éventuellement aussi. Alors, avec le développement des technosciences, on augmente les rendements, on rationalise, on augmente les performances. Mais que deviennent la légèreté, l'éphémère, l'intuition, la rêverie? On a presque envie de dire la dimension poétique. C'est Edgar Morin qui parle de cette dimension poétique essentielle, qui est aussi un élément de l'humain, hein, quand il parle de l'homo demens, de l'homo ludens, l'homme qui joue, l'homme qui rêve. On pense à Hölderlin, il faut poétiser la vie.
Est-ce que cet aspect-là est un aspect qui n'est pas parfois un peu trop oublié? Oui, on pense aussi à Sloterdijk, hein, dans Colère et Temps, c'est aussi, oui. Toute une démarche qu'il va remettre dans une perspective totalement différente, mais qui montre bien que cette espérance-là, cette idée à un moment donné de la légèreté, de quelque chose qui nous monte, est en même temps, et là la photo est extraordinairement parlante, ramenée au sol par la gravité. Ce moment de légèreté, ce moment extraordinaire dans lequel on va jouer avec les éléments est d'un éphémère. Là, le parachute il doit s'ouvrir assez vite après cette photo, hein, parce qu'on est encore loin du sol. Mais finalement, ce ne sont que quelques dizaines de secondes qui séparent l'équilibre, le vivant, de la catastrophe, la fin du vivant. Si le parachute ne s'ouvre pas, on est dans ces conditions. Le risque là et l'utilisation de cette situation est totalement intégrante et totalement participative de ce que sont les maxima et finalement les records du monde. Tout ce que les sportifs vont avoir, c'est cette chance extraordinaire dont ils sont conscients pour certains, dont l'entraînement petit à petit, l'accompagnement, je dirais, plus que l'entraînement finalement, leur permettra d'exprimer et cet épanouissement dans l'expression du potentiel et tout ce que nous pouvons, nous, petit à petit, amener à la génération suivante qui sera elle-même porteuse de ses potentialités et de ses maxima. Ce rêve-là, il est inscrit parce que cette chance, qu'elle soit dans le ciel, qu'elle soit dans la combinaison des éléments, hein, ici de la technologie, parce qu'on n'est pas fait pour voler, technologie extraordinaire qu'a développé le vol libre, le parapente et le deltaplane, va marquer d'un dernier saut, je crois, le XXe siècle, dans l'expression de nos capacités, encore une fois, une dernière fois repoussée. Celle-là est unique. Elle aura vécu pendant, à partir de 74, 73, pour les toutes premières expériences. Et là encore, le nombre de morts des années 70 nous dit à quel point il est difficile de passer de ces stades les uns derrière les autres jusqu'à la réalisation que chacun d'entre nous peut maintenant connaître. Et avec là encore, quelle intensité, quelle émotion. Mais c'est celle-là qui finalement est la plus importante, parce que c'est celle-là qui nous guide.